Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. À la demande de certains d'entre vous, je vous propose de voir comment on peut reconstruire le patron de ce masque pour qu'il soit parfaitement adapté à la morphologie de votre enfant ou de vous-même. Ce masque a toujours son filtre jetable et vous pourrez découvrir en fin de vidéo une de mes astuces pour poser ce filtre. Pour commencer à réaliser ce patron, je vais déjà télécharger le patron adulte que je peux trouver sous cette vidéo ou bien en cliquant en haut à droite sur le petit i. Je commence par prendre les mesures, donc la mesure verticale de la base du nez jusqu'au menton, je rajoute 1 cm. Ensuite, la mesure horizontale qui va partir d'une oreille, va passer sur le nez et ensuite va arriver sur l'autre oreille. Pour réaliser les transformations du patron, je vais avoir besoin d'une équerre et si je n'ai pas de pistolet, je redécoupe un patron pour utiliser les courbes. Je commence par tracer la perpendiculaire à la base. Cette perpendiculaire va passer par la pointe du masque. Ensuite, je vais grader tous les centimètres cette perpendiculaire en partant du haut. Donc, je vais réaliser 3 points. Le premier point correspond aux 3-7 ans. Le second aux 8-12 ans. Et le troisième aux plus de 13 ans, aux 13 ans et plus. Ensuite, sur la ligne horizontale, je vais grader tous les 0,5. Je vais faire également 3 points espacés de 0,5 cm. Je vais reprendre mon patron, c'est dans le cas où je n'ai pas de pistolet, et je vais retracer les courbes. Là, c'est la courbe des 13 ans et plus. Mais la courbe qui m'intéresse, c'est la courbe des 8-12 ans. Je retrace donc cette courbe. Oups, j'ai oublié de mettre un S à 12 ans. Ensuite, je vais noter la hauteur que j'avais prise auparavant. Pour ma part, c'était 13 cm, à laquelle je rajoute 2 cm et demi. Je retrace ensuite la parallèle à la ligne de base. Et maintenant, je vais retracer la courbe. Donc la partie du bas. Voici ma nouvelle courbe. Maintenant, en partant de la courbe 8-12 ans, j'indique la largeur entre les deux oreilles divisée par 2. Je fais un point et je trace la parallèle au côté. Ensuite, je réindique les 3 cm pour le masque extérieur. Vous l'avez deviné, je retrace la parallèle.
En haut, je réalise un aplat. Cet aplat est nécessaire pour bien réaliser les ourlets. Et je vais retracer la courbe du haut. Je retrace déjà mon aplat. Et ensuite, je retrace la courbe. Donc, il va aller de l'aplat jusqu'au point des 8-12 ans. Ma courbe est tracée. Maintenant, je vais vous la retracer en rouge pour que vous voyez bien la différence entre les patrons. Et voici le patron de mon nouveau masque. Je passe à la coupe. Je replie ensuite les côtés. Enfin, le côté pour avoir la version du masque extérieur à couper deux fois et intérieur à couper deux fois. Maintenant, je vous laisse aller à ma vidéo précédente pour voir comment assembler le masque. Je vous mets le lien sous la vidéo. Une fois que mon masque est réalisé, je vais vous montrer une petite astuce, comment incorporer un filtre en papier entre les deux parois de tissu. Je prends par exemple un mouchoir en papier. Je le replie en deux. Je le dépose sur mon masque et je replie le surplus en bas vers l'intérieur. Je glisse ensuite mon mouchoir entre les deux parois de tissu. Je fais attention à ce que la pointe du mouchoir aille bien jusqu'à la pointe du masque. Je vérifie que tout est parfaitement à plat et ensuite je coupe le surplus. Mon masque est maintenant prêt. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.